Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter un jeu de plateforme Neo Retro qui vient de sortir sur Steam, qui est sorti ce 9 septembre 2024, en sachant que nous sommes le 17 septembre au moment où je fais cette vidéo. Donc je vais tester ce jeu parce que son scénario me laisse penser que ce gameplay va être un peu particulier. Alors, Gravity Escape est un jeu de plateforme et de réflexion 2D dans lequel le protagoniste K, ils ont cherché des heures pour trouver ce nom. S'écrase sur une planète inconnue après que son vaisseau spatial ait été attaqué par une force inconnue. Au cours de l'exploration, K découvre un pistolet à gravité qui permet aux joueurs de manipuler la gravité en tirant des balles qui modifient la gravité des objets et de lui-même. En plus des balles à gravité, il existe également des balles magnétiques, des balles de téléportation et d'autres capacités spéciales qui attendent que le joueur les explore et les découvre. Les joueurs doivent choisir la bonne balle en fonction du terrain, du niveau et des appareils à proximité pour ouvrir les bons chemins. À la fin de chaque niveau du monde, il y a un boss qui garde une boule d'énergie géante que les joueurs doivent déjouer pour vaincre. Apparemment, il n'y a pas d'option. Ouais, on sort bien du jeu Neo Retro. On a droit à une petite musique. C'était sympa. Ok, c'est du tuto comme d'habitude. On peut jouer normalement à la manette. Ouais, parfait. Jump. Shoot, interact. Ok. Soit une bullet. Open menu. Open menu. Ah. Ok. Ah ouais, où je suis? Ok. Let's explore the space ship. Donc je sais pas où je suis, je me demande ce que je fous là. Ok. Il y a une boule magique. Enfin, une boule magique. Je sais même pas si elle est magique. Pour le moment, pas de difficulté. Voilà. C'est classique. Ah. Ok. J'ai joué avec la gravité. Façon de parler. Alors, save. Ok, voilà. Ah, il y a un point d'interrogation au-dessus. D'accord, donc j'imagine que je vais devoir... Avec ceci, oui, pour... Ok, j'ai un cube. Je vais toujours prendre la boule. Ah là, il y a un bouton, en fait. D'accord, ça mettait des portes là. Ok. D'accord, et ça a poussé la... La boule là. Maintenant, je suis retéléporté là. Ça m'avance à quoi? À mon avis, je sais aussi. Voilà, monter. Je dois la pousser de l'autre côté. J'imagine. D'accord, je vois. Et donc, je reviens de l'autre côté pour inverser le processus. Voilà. Ah, si ça retombe. Ok, c'est bien trouvé. Pile poil. Pour actionner le bouton qui me laisse passer. D'accord. Les mécanismes du jeu ont l'air assez bien conçus. Ouais, ça va être. Ah, exit, d'accord. Suffit de faire ça. Donc là, je pense que je vais réellement rentrer dans le jeu. Voilà. Mon vaisseau s'est crashé. Rockly came to another planet. Ok, je suis sur une planète inconnue. There's some aid. Ah, il y a quelqu'un. Cette planète est habitée. Ouah, je tombe. D'accord. C'était prévu pour. Si j'appuie dessus, d'accord, j'ai ça. Je saute dessus pour arriver ici. Et ça va me... Voilà, scotché au plafond. J'ai pas compris ce mouvement de caméra. Donc si je tire, j'actionne la gravité, je dois tirer là pour pouvoir accéder au truc au-dessus pour sortir de la zone. D'accord, compris. Ok, bon ben on va essayer. Hein. Shoot avec X. Voilà. Ah là par contre. J'ai plus la gravité. Je peux pas tirer en haut? Ah bah si, je peux faire ça. Voilà.
Je dois d'abord tirer en haut, en fait. Arriver ici. Et là. Voilà. D'accord, je peux tirer vers le haut. Tout simplement. Ok. Et maintenant, je peux faire la même chose ici. Compris. Et voilà. Le bloc descend. Je comprends pas. Toujours est-il que je vais sortir d'ici du coup. Bon, le bloc est descendu. Ah bah oui. Tout simplement que je suis bête. Le rocher me bloquait. Mais grâce à la gravité, je ne suis plus bloqué. Voilà. D'accord. Voilà. Et je dois trouver un moyen de faire descendre ce rocher, si j'ai bien compris. Je vais l'envoyer dans le téléporteur. Voilà. Tout simplement. Bon, là, rien de compliqué, heureusement. Ah, il y a quelque chose ici. Un point de sauvegarde, d'accord. Voilà. Hop, voilà. Ok, je comprends mieux le mécanisme. Ça a monté. Voilà, pour monter. Hop. Pour exciter la box, j'ai pas envie de la réciter. Donc je vais là. Ah, ça ne marche pas. D'accord. Quand il y a cette quick là, ça marche pas. Ça rajoute effectivement de la difficulté. Je vais juste la mettre en dessous, justement. On va voir. Je vais inverser le sens. D'accord. D'accord, j'ai compris. Voilà. On va attendre maintenant. Ça, le cube arrive là. Et il va être transporté de l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Ok. Maintenant, c'est à moi de passer de l'autre côté pour pousser le bloc là afin d'avoir la hauteur nécessaire pour passer. Ok. C'est bien conçu, n'empêche. Voilà. Si je descends, est-ce qu'il s'actionne? Non. Hey. J'espère qu'il va descendre plus bas. Bah, c'est la gravité, imbécile. Voilà. Et voilà. On fait ça. Ça risque pas de tomber. On saute dedans. D'accord. Ça, je descends. Ok. C'est bien fait, n'empêche. On monte ici. Quoi ça sert ça? D'accord, il y a de nouveau une astuce. Je ne sais pas à quoi ça sert ce truc-là. L'astuce ici, c'est quoi? Laissez tiquer dessus. D'accord. Ah, ça me permet de. D'accord. Donc quoi, je dois tous les allumer? Ou je dois allumer le dernier? À mon avis, je vais allumer le dernier. D'accord, ça permet de sauter au-dessus. Ah, si je tire dessus, je le détruis, il fallait savoir. Ok, maintenant je peux. C'est tout con en fait. Alors maintenant, shoot manette, bullet, tout un objet. Ok. On va essayer. Hein. LB. Voilà. D'accord. Maintenant, je peux le téléporter. Tiens, prends-toi ça. Voilà. Ok. Ça va pas m'aider, ça. Donc, je vais le téléporter.
Si je tire maintenant dessus, voilà. D'accord. Voilà, tout simplement. Chut. Voilà, comme ça je m'éloigne. Il vient près de moi, voilà. C'est complexe quand même, c'est pas mal. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je dois changer. Ok, j'ai réussi. J'ai un raccourci si je prends le truc. Voilà. Ok. Pas évident ça. Il est très complexe. On voit pas comment je pourrais faire. Avec ça. Ah, ça reste pas indéfiniment. J'ai appuyé en fait, j'ai tiré avec. Bon, apparemment il faut pas que ça. Ah non, il était déjà là lui. Il est resté là. Là qu'il bouge. Il ne bouge pas. Ah d'accord, voilà. Faut utiliser la gravité en dessous. Et il te transporte tout simplement. C'est tout con. C'est complexe, c'est complexe. Air is dark. Il fait noir. Clairement. Ok. Voilà. Investigation. Voilà. Oula. Une armée de robots au-dessus. D'accord. La porte est fermée. Ok. Pas évident. Je vais essayer. Ok, j'ai le ticket. Ah, c'est la clé. C'est une clé qui me permet d'avancer. D'accord. Tout simplement. C'est pas con. Maintenant, il y a un bloc au-dessus. Donc, je vais faire la même chose. Ah oui. Hop là. Mais. Voilà. Pas la même chose, je vais tirer. Ok. D'accord, j'ai compris. Je prends le truc de téléportation. Voilà. Je l'ai ici. Je l'actionne tout simplement là. Voilà, même chose. Non, ça marche pas. Dommage. Il y avait l'idée. Si je fais ça. Voilà, d'accord. Ah, c'est poussé. J'en ai eu un. J'ai une autre zone. Franchement, il est génial. J'aime beaucoup. D'accord, et là, on a différents sens. Voilà, donc je vais essayer. Si ça m'en a rien pour le moment, évidemment. Ok.
D'accord, j'imagine en fait qu'il faut... Voilà. Et à mon avis, là, c'est bon. Voilà. J'ai la pierre. Pas qu'est-ce que je peux en faire actuellement, mais je le dis. Je vais monter plus haut. Ok. Je vois, je dois réussir à monter le bloc au-dessus en utilisant les transporteurs. C'est un jeu de logique vraiment très très bien réalisé. Ah mais oui. Faudrait que j'arrive alors à le bouger. J'ai compris. Donc je dois le mettre en dessous ici. Voilà. Et je dois tirer. Comme ça, il était transporté là-bas, j'ai compris. C'est très simple en fait. Au final, quand on y pense. Et voilà. Un autre va se faire tuer. Il faut trouver le moyen de tuer le troisième. Et ce moyen se trouve là-bas. Ok. En tout cas, il y a des points de sauvegarde un peu partout. Voilà, reset box. Si je tirais d'en bas, justement, j'ai une idée. Voilà. Et ça, il change d'arme. Voilà, il est venu avec moi. Voilà. Il fallait faire ça. La gravité va s'estomper et il va tomber. J'espère qu'il va être renvoyé de l'autre côté. Ah non. Il est resté bloqué là. C'est bien, je vais le pousser. Voilà, il est bien envoyé là. Ok. Il va simplement faire ça. Bah ça va, j'ai sauvegardé. Ok, il faut aller simplement faire ça. Bon, la gravité alors. On va être tranquille. Et on va pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin. Ok, celui-là est tué. C'est bon. Et du coup, l'escalier. Et du coup, il y a moyen évidemment de... De l'autre côté, j'ai raté une boule, mais c'est pas grave. Voilà. Et je peux tranquillement continuer mon chemin. C'est bien fait. Hop là. Ah bah ça me paraît un bon endroit justement pour arrêter. Donc voilà, hein, vous avez une petite idée du jeu. Hein. Franchement, je trouve... Ah, c'est le boss, on dirait. Bon, je vais essayer de battre le boss et j'arrêterai là. Oh, bah la démo vient de se terminer en fait. Donc voilà, j'ai fini la démo. C'est dommage que je n'ai pas eu le combat de boss. Franchement, je trouve le jeu très très bien réalisé. Gravity Escape est vraiment un très bon platformer puzzle avec beaucoup de puzzles et de la plateforme pour enrober le tout. Franchement, ça demande pas mal de réflexion. Il faut jouer avec la gravité, avec d'autres éléments. C'est vraiment très très bien réalisé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le descriptif de la vidéo. Et bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, de shorts et de live. Ou du moins pour en être mis au courant quand je diffuse tout ça. Toujours est-il que je vous conseille d'essayer cette démo si vous voulez vous en faire une idée. Mais en tout cas, je le trouve très très bien. Pour 7 euros, il vaut largement la peine. Sincèrement, il est d'enfer. Et apparemment, il y en a pour 4 coques de jeu.
de plaisir et de cogitage sur Gravity Escape. C'était Tarodus pour Passons aux jeux TV. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.